gere mu na nere wa ma gere na ngo ma jibori ma munu egere mane ha ega fini parce que ega boss bra avion to wa bra siga e birin la Guinée bori lu mane keren keren e siga parce que haima afanyira ba la Guinée bori ma munu keli il la Guinée i c'est-à-dire tu vas disparaître comme ça là sous la terre de la Guinée. C'est ça. Façon donc Alpha Condé est parti là. Vous les menteurs là, vous allez partir comme ça parce qu'on va vous faire disparaître sous la terre de la Guinée. On ne va plus laisser maintenant la Guinée dans la main des mensonges. Ça c'est fini. Vous avez manipulé, vous avez volé, vous avez torturé la peuple. Vous avez torturé tout le monde. Donc cette fois-ci là, on ne va pas vous laisser faire. Si vous ne changez pas, pour que nous tous, on se donne la main pour développer le pays là. Ce n'est pas mensonge qui va construire le pays là. Ce n'est pas en volant l'argent pour vous enrichir qui va développer le pays là. Nous on veut voir la terre de la Guinée maintenant en avance. C'est ça notre problème. Donc on ne va pas laisser maintenant la Guinée dans la main des menteurs, des manipulateurs, des voleurs. Ça c'est fini. Là où les Guinéens sont maintenant, les vrais Guinéens, je dis bien les vrais Guinéens, on est fatigué de vos mensonges. C'est-à-dire, Dieu vous a attrapé, Dieu vous a fait tomber, mais tout ça là, vous voulez forcer. Regardez, tellement que Dieu vous a humilié, il ne fait que vous humilier pour vous montrer que arrêtez votre mensonge là. Ça a pris maintenant coup de tous les Guinéens. Changez. Il y a certains PC là, quand il prend, Dieu ne sort pas devant toi. Mais il te met dans les problèmes que toi-même, tu vas t'asseoir pour dire que il faut que j'arrête ça. Les Guinéens ne sont plus là maintenant pour les manipulateurs. Les Guinéens ne sont plus là maintenant pour les voleurs. Les Guinéens ne sont plus là maintenant pour les menteurs. Les Guinéens veulent maintenant des vrais. Des vrais! Les Guinéens veulent maintenant des vrais. Tu nous montres d'abord avant que tu parles. On n'est pas là maintenant pour des faux. Donc changez votre système là. Ça, ce n'est pas un bon système. Les Guinéens ne sont plus maintenant dans ça. Le système là. Je vous ai bien dit que quand Alpha Condé va partir là, il va partir avec toutes les salités là. Donc cessez à vous arranger bien. Ce n'est pas mensonge qui va vous donner la joie. Ce n'est pas en détruisant vos prochains qui va vous donner la joie. La vie, c'est pas comme ça. Tant que tu joues avec ton prochain pour que tu deviennes meilleur, Dieu ne va jamais t'accepter sous ça. Donc là où nous, on est comme ça, laissez-nous tranquilles. Votre patron est parti. Cessez à vous organiser. Votre lampe est éteinte comme ça là. Vous êtes dans le noir. Cessez d'abord à vous faire sortir dans le noir. Mettez les cœurs, la famille. Parce qu'ils n'aiment pas. Quand on parle seulement, ils nous signalent. Ils n'aiment pas la vérité. Et nous, on est là pour supporter des vrais. Nous, on est là pour supporter des personnes qui sont prêts
à travailler la Guinée pour nous. Je ne suis pas là pour supporter des faux. Mes ancêtres n'ont pas appris nos parents pour ça. On nous a appris sur la vérité. De supporter la vérité, même si ça fait mal, mais de dire, c'est ça qui fait l'homme. Quand on dit l'homme, c'est ça. Sinon, mensonge là, on ne vole pas. Ça suffit seulement de se mettre à sa forme. Ce n'est pas quelque chose qu'on paye. Mon grand-père m'a dit, pour corriger quelqu'un qui ment, il faut lui mentir seulement. Quand tu lui mens là, jusqu'à sa mort, il ne va plus te mentir maintenant. C'est ça la vérité. Donc nous, nos ancêtres ne nous ont pas appris à mentir. Ils nous ont appris de dire la vérité, de suivre les bonnes personnes, de ne pas suivre les personnes qui sont là à détruire le pays. Et on va toujours continuer sur leur chemin. C'est ça l'homme. Donc arrêtez de supporter le mensonge. Arrêtez de mentir. Arrêtez de préparer, parce que je sais que vous avez des plans, parce que c'est votre habitude. C'est votre habitude. Mais Dieu aussi nous a fait venir sur la terre là pour dire la vérité entre les gens qui mentent et les gens qui sont vrais. Donc on va toujours dire la vérité. Donc votre mensonge là, arrêtez. Dieu vous a tellement humilié, il vous a tellement montré que le système que vous êtes dedans là, c'est pas un système propre, c'est un système sale, que vous avez détruit beaucoup des Guinéens dans ça. Que vous avez détruit beaucoup des jeunes filles dans ça. Arrêtez votre système là. Nous, on va toujours parler de ça à nos frères et nos sœurs et à la nouvelle génération. C'est pas un bon système. La Guinée, c'est pour nous tous. Vous avez volé des milliards là. C'est pourquoi Alpha Condé même, tu sais, quand quelqu'un ment là, lui-même, c'est un bon arrière, un menteur. Il est venu encore trouver les gens qui connaissent encore mensonge plus que lui. Donc, tellement qu'on lui a menti, il s'est montré qu'il est le chef de menteur. Et on lui a montré encore que nous aussi, on est là, on ment plus que toi. C'est pourquoi quand il a connu que vous lui mentez, il n'a pas accepté vos visites jusqu'à il est sorti au pays pour aller ailleurs. Sinon, la Guinée qui est cette toile. Pourquoi j'aime le président Selou Dalé? Parce que quand tu es propre, tu es dans ton pays, rien ne te dérange. Parce que tu sais que ton pied n'est pas dans les sales comportements. Donc, tu as tête libre. Mais regardez comment il est sorti au pays pour partir. Même si tu es malade, tu pars te soigner et puis tu viens, tu te retournes chez toi. Les bons Guinéens sont toujours chez eux. Ceux qui n'ont pas créé problème à la Guinée. Ceux qui ont mis dans leur tête que la Guinée c'est ce moi, ils sont au pays. Ceux qui ont travaillé dans la sincérité, ils sont au pays. Ils n'ont pas de problème. C'est vous les menteurs et les voleurs qui sont en fuite chaque jour. Parce que quand vous volez l'argent là, vous ne pouvez pas rester en Guinée. Vous ne pouvez pas rester en Guinée.
Ils sont beaucoup en Europe, en Amérique ici. Ils sont assis aujourd'hui ici, ils ne peuvent pas partir. Rester tranquille, c'est eux. Parce que l'argent que tu as volé, tu ne peux pas t'asseoir au milieu des pauvres populations qui sont là à souffrir. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'eux parce que la honte va te tuer. C'est pourquoi ils sont des différents pays. Donc la famille, tout ce que moi je peux vous dire, leur système sale là. Si tu aimes ton pays, parce que je sais que nos générations, beaucoup de nos générations sont dedans, nos frères aussi sont à côté. Mais mettez dans vos têtes que vous êtes les fils de la Guinée. Vous devrez faire un bon travail pour vous rendre propre. Il ne faut pas qu'on vous pousse à vous mettre dans le système sale. C'est un système qu'on doit changer. C'est un système qui ne peut pas avancer la Guinée. Si on vous force, c'est mieux de venir rester chez toi dans la paix que de suivre les mauvaises sataniques là. Leur problème, c'est de mélanger seulement, sans réussir. Regardez comment la Guinée est gâtée. Même quand ils préparent en Guinée, les mousses sont partout. Les mousses sont partout. Capitale même qu'on dit qu'on a créé là. Colonel Doumbouya, je pense que si tu ne me regardes pas, en tout cas, quelqu'un peut être à côté de toi qui me regarde. Toi-même, colonel Doumbouya, il faut te promener à Kaloum là-bas. Il faut dire à tes gardes, ils vont te faire promener à Kaloum là-bas. Tu vas voir comment nos parents sont logés. Jusqu'à Dixin. Comment nos parents sont logés là-bas? Conakry, qu'on dit capitale, hein? Il faut regarder comment les gens vivent là-bas. Avec ça, vous voulez qu'on se taire sur vous. On ne peut pas se taire sur vous. Vous avez des milliards là dans vos comptes et vous êtes assis. Ça là, c'est petit. L'argent même que vous avez volé là, ça c'est petit devant vous. Vous voulez toujours forcer encore. Laissez le pays là tranquille, s'il vous plaît. Votre lampe qui est éteinte là, allez-y vous organiser et changez vos comportements là. Comment allumer encore cette lampe pour que ça soit une bonne lumière qui peut au moins allumer la Guinée pour nous. Pour ne pas que ça soit maintenant lumière que vous lumière qui est partie là. Votre travail, les RPGs, c'est pour allumer maintenant une lumière qui peut éclaircir la Guinée pour nous. Changez vos comportements là. Dieu vous a montré le chemin que vous devrez prendre pour que nous tous on puisse travailler ensemble. Donc arrêtez vos corruptions et vos mensonges pour déranger les Guinéens. Les Guinéens n'ont plus le temps pour ça maintenant. Donc s'il vous plaît, changez. On va vous dire de changer. Moi, je m'en fous, hein. J'ai mes parents qui sont dedans. J'ai mes amis qui sont dedans. Si vous voulez, demain, quand vous me voyez en Guinée là-bas, ne me saluez même pas. Je m'en fous. Il y a d'autres, même, on s'est samaillé. Je les ai enlevés dans mes amitiés. Parce que je ne peux pas supporter mensonges.
Parce que tout simplement, quand on vous donne les petits petits sommes là, ça peut même pas arranger votre vie. C'est pas à cause de ça que tu vas venir me dire il faut te taire, il faut faire comme ça là. Je ne suis pas comme vous. Je vous ai bien dit que moi, je ne cesse rien. Mon petit travail que je fais ici là, ça me suffit. Ce que Dieu m'a donné là, c'est bon. Je peux vivre ma vie dans ça. Mais les pauvres personnes qui sont au pays, qui ont fini les études, qui ne connaissent pas quelle porte où frapper pour gagner le travail. Vous vous êtes assis, supportez le mensonge. Parce que tout simplement, quand vous mettez vos habits là, allez en ville, on vous donne des 1 million, 2 millions. Vous allez venir préparer, manger. Après 5 jours encore, vous êtes là-bas. D'autres sont en Guinée, ils n'ont pas l'opportunité de ça. Nous, on va parler matin, midi, soir pour donner le bon chemin à l'aisance là. Donc, si vous venez sous ma page pour dire c'est rentré, c'est sorti, la Guinée, je suis guinéenne comme vous. Nous tous, on a le droit de parler. Nous tous, on a le droit de parler. Alors, si toi, tu as pris le chemin des mensonges là, je ne vais pas te suivre sur ça. Je ne vais pas te suivre sous ça. Je vais suivre la vérité pour que la paix et la joie rentrent chez moi. Pour que quand je pars au moins, je vois mes frères et sœurs qui se lèvent le matin, aller travailler et puis venir le soir. C'est ça mon plaisir. C'est ça mon plaisir. Je préfère faire palabre pour que les personnes là gagnent la joie pour pouvoir vivre et nourrir leurs parents que de suivre le mensonge. Juste aller le matin, on me donne un peu et puis je viens manger ça. Après, quand ça finit, je pars. Je ne veux pas la vie comme ça. Et la vie de chez nous, c'est comme ça. Lundi, ils sont devant les portes. Tu vois beaucoup de personnes qui sont arrêtées en train d'attendre taxi pour aller en ville. Quand tu enlèves les personnes qui partent réclamer l'argent à côté des personnes qui sont assises, qui ne veulent pas travailler le pays, ils préfèrent seulement manipuler la population comme ça que de leur donner travail. Vous pensez que le système là va continuer? On va se lever matin, midi, soir pour parler sur internet. Que vous voulez ou pas, il faut que ce système là change. C'est ça qui a rendu beaucoup des Guinéens fainéants. Oh, on a nommé mon grand. La route du grand là va être maintenant leur chemin. Le grand là aussi est là. Au lieu de faire le bon travail, il va suivre encore le mensonge. Ce système là va être changé, que vous voulez ou pas. Donc laissez le pays là. L'argent que vous avez volé là, vous avez pris l'argent là, refusez de travailler le pays. Refusez de nous donner la lumière, les routes, les écoles, les hôpitaux. Beaucoup de choses. Vous avez pris ça, allez mettre, c'est les autres. Ils sont là-bas en train de travailler ça, s'enrichir. Parce que vous êtes bête. Vous pensez que vous êtes malin, mais vous êtes bête.
quand ça finit encore, vous allez venir encore dans le noir. Laissez-nous tranquilles. Laissez les populations tranquilles. Trop, c'est trop. Concentrez-vous. Comment vous pouvez allumer, avoir le bon, c'est-à-dire, c'est comme quand tu mets ampoule sur toi. Si lumière n'est pas bon là, il faut t'arranger. Il faut aller cesser l'ampoule qui est bon. C'est très important. Donc, laissez le pays là tranquille. Enlevez vos bouses dedans. Cessez à vous arranger. Et laissez la population tranquille. Malgré tout ce que vous avez pris, vous avez ça sur vous aujourd'hui, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez toujours déranger les autres. Arrêtez. Il y a des PC là. Il faut avoir peur de Dieu. Je pense que d'autres sont là-bas. Ils ont préféré vivre bien ici. Aller terminer demain dans l'affaire. Parce qu'ils ont déjà vendu leur âme. Le pays là ne mérite pas ça. Les Guinéens souffrent. Quand ils regardent vidéo de notre frère Bouba qui passe, c'est les femmes au marché. Comment les femmes vivent au marché? Longue vie à toi, mon frère. Que Dieu te donne la force matin, midi, soir de continuer le bon travail que tu fais pour la population. Allez-y voir Grand Bouba qui fait ces vidéos-là. Rentrez dans mes pages, j'ai partagé certaines vidéos. Vous allez rentrer voir quand il part visiter des populations chez eux, vous allez voir comment ils vivent. Ça fait pitié. Des fois, il y a des vidéos qui me font pleurer. Vous vous êtes assis dans vos maisons climatisées en Europe, en Amérique ici, partout dans le monde, en train de vous profiter dans l'argent volé là. Envoyez à certains de nos parents juste pour supporter votre mensonge là. Vous pensez que nous, on va croiser les bras en train de vous regarder comme ça. Ça, c'est fini. Nos parents qui veulent les suivre là, suivez-eux. Mais nous, on va toujours dire la vérité. Il faut que cette fois-ci là, le pays là, marche maintenant sur le bon chemin. Les Guinéens sont fatigués. Vous avez beaucoup manipulé la population. Beaucoup sont dedans maintenant. Même s'ils voient la vérité, c'est devenu maintenant un système sale. Il faut qu'on quitte dans ça la famille. C'est très important. Il faut qu'on quitte dans ça. Qu'on a le courage de dire la vérité. Qu'on a le courage de dire la vérité. Qu'on arrête de suivre les personnes qui sont là à deux trucs seulement, leur prochain, en vous donnant l'argent pour que vous allez vous taire. Pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-fils. Il ne faut pas qu'ils viennent encore marcher dans le système là. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on se donne la main pour changer ensemble. Même si on a un bon président. Même si on a un bon président. Il ne faut pas qu'on continue sur le mauvais système. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon système.
Donc, si on a un bon président qui va venir demain nous aider à travailler le pays là, il faut qu'on l'aide aussi à travailler, qu'on laisse le sale comportement là. Quand il dit la vérité, ça leur fait mal, c'est eux qui vont venir te dire, oh, la Guinée est déjà comme ça. La Guinée n'est pas comme ça. C'est vous-même qui ont mis la Guinée dans cette position. Donc, laissez le pays là, tranquille. Vous avez beau faire. Maintenant, on est fatigué. On veut maintenant mettre la Guinée dans la joie. On veut maintenant travailler la terre là pour que nos ancêtres qui ont fait Palab hier là, pour qu'on soit heureux, soit content de nous. C'est pas en se détruisant que on va les rendre heureux. C'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, changez. Arrêtez de supporter le mensonge. Vous avez vu comment vous avez supporté, vous avez poussé soi-disant maman des pauvres à mentir, et vous l'avez cassé jusqu'à la faire sortir. Parce que tout simplement, vous êtes à terre. Le seul mensonge que vous pouvez applaudir, c'est sur ça. Mais ici, en Amérique, c'est pas comme la Guinée. Ici, là, même si tu dis à les Blancs que on t'a fait quelque chose, ça fait 20 ans là. Et ils ont des choses qui peuvent faire sortir ça. Ils ont des choses qui peuvent faire sortir ça. Donc, c'est un pays, c'est pas, on ne ment pas ici. Donc, mettez l'eau dans vos vins. Arrêtez de supporter le mensonge juste pour mettre le pays là derrière. Concentrez sur vous-même. Comment vous pouvez changer votre comportement là? C'est sur ça que vous devrez travailler. Laissez les autres tranquilles. C'est pas parce que l'UFDG est en avance aujourd'hui, même si c'était chose, comment dirais-je, une autre race, vous allez faire la même chose. C'est pas seulement eux. Vous avez fait tomber Dadis devant tout le monde. Même avec Conte, ça a été la même chose. Donc, changer, accepter pour les autres, c'est très important. Même quand Dadis était là-bas, un jour, je vous ai dit ça plusieurs fois dans mes lives. Même quand Dadis était au pouvoir, un jour à Madina, je quittais à Soge, là où on vend les concours là. Quand tu passes à Varia, tu descends en bas là. On vend les concours là où nos parents partent prendre les concours là. On dit, quoi là? Il y a un nom sur ça là. Nos parents partent prendre des choses en gros là-bas pour aller vendre. Nyengema ou quoi là? C'est Nyengema. Je quittais là-bas. Un vieux malinquin, hein? Je vous dis bien, un vieux malinquin, il a fini de prendre l'ablution. Il part prier. Mais il est là à parler avec son ami. Que Dadis ne va pas rester là-bas. Donc, je vous connais comme ma mère là, Sanji. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort aujourd'hui. Je n'ai pas peur de la mort demain. Si tu me vois arrêter là, visage que tu me vois ici là, c'est comme ça encore tu vas me voir. Mais ce qui est la vérité, je vais vous dire, changez. Je ne sors pas dans live là pour me faire voir. Je sors pour vous dire la vérité. C'est un système que j'ai grandi dedans. Je connais. Je partais au port pour prendre le riz là-bas.
Je connais tout ce qui se passait là-bas. Je partais prendre le riz, aller venir vendre à l'embaï marché. Je connais tout. Je connais beaucoup de personnes. Je connais comment les réseaux circulaient là-bas. Je connais tout. J'ai vécu avec des personnes que le système les a fatiguées, qui m'ont rencontré beaucoup de choses. Donc, arrêtez la famille. Si je vais rentrer dans tout ça là, si je vais rentrer dans tout ça là, c'est pas bon. Changer le système là, c'est pas un bon système. C'est pas un bon système. Ça ne peut pas, la Guinée ne peut pas avancer dans ça. La Guinée ne peut pas avancer dans ça. Donc, colonel Doumbouya, il faut bien réfléchir sur ça. Il faut commencer à, en ville là-bas. Jusqu'à Koya, tu pars voir comment les gens vivent. Prends vol, tu vas descendre. Sans que tu dis à personne, hein, il faut faire des voyages surprises dans les choses seulement. Tu es jeune. Tu es fraîche dans ton corps. Alpha Condé est vieux. Il ne peut pas se promener. Mais Conakry, il pouvait se promener. Il faut faire des voyages surprises dans les états, dans les intérieurs. Tu vas voir comment les gens, nos parents vivent. Avec ça, vous allez venir vous asseoir ici. Vous voulez qu'on continue dans le même système? On ne va pas vous laisser faire. Changez très bien. Changez très bien. Donc la famille, ce que moi je peux vous dire, les vrais Guinéens, ce que je peux vous dire, donnez-nous la main. Pardonnez les uns et les autres. On a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Donc, donnez-nous la main pour le bien de notre pays. Donnez-nous la main pour le bien des nouvelles générations qui vont s'élever. C'est très important. On est Guinéen, personne ne peut changer son ami. Même si on dit aujourd'hui, chacun va rester celui. C'est là-bas que vous allez voir que on a besoin d'être unis. Les soussous peuvent dire que il y a tous et nous. Mais il y a manque. Les peuples peuvent dire il y a tous et nous. Mais il y a manque. Les forestiers peuvent dire, il y a tous et nous, mais il y a manque. Les malinqués peuvent dire, il y a tous et nous, mais il y a manque. Donc, ce qui nous manque là, on doit se unir pour se partager ensemble. C'est très important. Arrêtons de répéter des choses matin, midi, soir. Suivons le bon chemin. Tu vas détruire ton ami aujourd'hui. Tu penses que c'est à lui que tu le fais. Et pourtant, c'est à vous tous. Parce que là où tu l'empêches pour ne pas qu'il arrive là-bas, toi, tu ne vas pas faire, lui, il ne va pas faire, et vous allez rester toujours dans le sale comportement là. Qui va arranger? Dieu ne va pas venir arranger ça pour nous. Donc, changer. Il faut qu'on se donne la main pour construire la Guinée ensemble. C'est très important. Donc, je m'arrête ici, la famille. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Toutes les bonnes personnes qui veulent que la Guinée aille en avance,
donnez-nous la main. Combattons le sale système là. Combattons le sale système qui est chez nous. Personne ne pourra venir faire la Guinée pour arranger la Guinée pour nous. C'est nous-mêmes. Donc, donnez-nous la main pour qu'on puisse développer le pays là ensemble. C'est dans ça, nous tous, on a le bonheur. On va gagner le bonheur. Donc, c'était ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Partout où vous êtes. Que Dieu vous donne la force. Matin, midi, soir. Que Dieu vous donne la force matin, midi, soir. Et je vais vous dire, quand les Guinéens sont, ils travaillent dur. Je suis restée ici, on m'a appelé pour dire qu'il y a un frère qui vient de décéder. Qu'on a ouvert la porte sous son corps. Ça fait pitié la famille. Ça fait vraiment pitié. Donc donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Les menteurs là, arrêtez. Arrêtez. Dites à votre pauvre, sauge, maman des pauvres là, en Amérique ici, tu travailles pour préparer l'avenir de ton enfant. Ce n'est pas mensonge qui va préparer l'avenir de tes enfants. Les pauvres que tu dis que tu es leur maman là, ce n'est pas en mentant sur les ans que tu vas les nourrir. Il faut ici là, tu fais l'application de travail comme tu as les papiers là. Il faut faire application. Fatunielo, fais application, tu vas commencer à travailler. Préparer l'avenir de ton enfant, de tes enfants. C'est très important. Quand ils vont partir à l'université là, tu dois payer pour ça. Si tu es une vraie femme là, c'est là-bas. C'est pas en écoutant les menteurs, les voleurs qui t'ont enseigné que tu vas nourrir les enfants là demain. Quand eux-mêmes ils vont grandir demain, voir que leur maman mentait pour les nourrir. C'est comme ça. Tu vois certains enfants haïr leur maman. Tu te demandes il y a quoi? C'est à travers des comportements bizarres comme ça. Donc, va cesser le travail. Tu vas commencer à travailler. Alpha n'est plus là-bas. Il t'a donné ce que tu voulais. Tu as menti. Mélanger le pays. On ne serait pas là pour vous maintenant. C'est fini. On a tout fait. Votre chef est parti. C'est pas vous qu'on va vous laisser. On n'a plus le temps pour ça. Le pays là va bouger. C'est pas avec votre mensonge là maintenant. C'est fini.